Et pop les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test rapide puisque c'est une démo. Elle est donc sur Steam. Et donc le nom du jeu Bad Guy Kill the Bad Guy. Donc c'est un jeu que je trouvais sympa, je voyais un peu les screens, tout ça, j'ai trouvé tout. Je pourquoi pas l'essayer. Donc très rapidement de ce que j'ai pu voir sur le film. Oula. Il est tard, ok, mais bon quand même. Donc apparemment ce serait en fait faut tuer. Donc le bad guy, donc la cible, on a une sorte de tueur à gage un peu en mode dieu ou je sais pas quoi. Et en fait le but c'est de le tuer, mais de la manière à ce qu'on croit que ce soit un accident quoi. Faut pas le tuer bêtement, rentrer dans le tas, tirer, etc. Non, faut de ce que j'ai pas les exécutions, je les ai pas trop vues parce que j'ai vu que des images et la description. J'ai pas encore, c'est la première, je le lance à peine, hein, c'est la première fois que je le lance. Je vais faire un petit tour des options en attendant. Français, ouais, nom du jeu, bah c'est moi. Eh, c'est moi. Mon email, non. Nanana. Twitch, on s'en fiche, hein, on va pas streamer de toute façon. Ah, bon, bah y'a ça comme option. La bande son est prémixée du rap, donc ça a l'air sympa quand même déjà, entrée de jeu. On a une bonne petite bande son apparemment. Et sinon, le jeu, je crois qu'il est en noir et blanc. Enfin, un peu stylé. Stylisé, pardon, un peu comme l'écran en fait là, vous voyez, noir et blanc avec le rouge pour la sang. Ça reçoit toujours mieux. De ce qu'on a prévenu, les raisons pour tuer les gens sont assez absurdes. Donc je sais pas, parce que c'est une démo, donc je sais pas si on aura vraiment un bon gros aperçu du jeu ou c'est juste le petit début, une ou deux missions. Si pour un peu, la première mission dure 5 minutes et c'est fini, hein, donc je ne sais pas. Jouer Luciano. Ok, il se cache partout dans le monde, d'accord. Il monte sans scrupule des malfaiteurs qui n'ont pas hésité à commettre les pires infamies, crimes de guerre, implication dans la mafia, activités terroristes, massacres de femmes et d'enfants. On compte bien. Ils ont réussi à échapper aux poursuites judiciaires et se cachent désormais parmi nous, vivant une vie normale et en toute impunité. Ils rient à gorge déployée à la pensée qu'ils ont réussi à tromper tout le monde, qui est malgré leurs méfaits, ils ont aujourd'hui une vie tranquille. C'est pas gentil tout ça. Mais ils n'oublient pas qu'une organisation secrète est déjà en train de les observer, analysant leur habitude, traquant leurs faiblesses, résolus à mettre fin à cette paix non méritée. Bien fait. Au sein de cette organisation secrète, vous êtes en charge de la coordination de leurs assassinats. Observez leur trajet quotidien, planifiez et agissez, je décide d'être rendu. Je suis assez d'accord. Je sais pas pourquoi il y a un plan de métro aussi, mais bon. Tuez le bad guy. C'est parti mon kiki. Non, Luciano, lieu Naples. Objectif principal, tuez le bad guy. Objectif secondaire, faites une entrée explosive dans notre entreprise. Identité, grand chef mafieux, il tient d'une main de fer les trafics d'armes, de drogue, mais aussi les paris, les prostituées, les ordures ménagères. Et le traitement des matières dangereuses. Pour se diversifier, il me reste en période de distribution d'eau, d'électricité, de travaux publics et des télécoms de la ville. Tout le monde sait, et personne ne fait rien. Personne, à vous de jouer. Alors, tuez le bad guy, objectif rien, tu en un jour, attraper la dent, trouver le passeport. Ok. J'espère qu'il y a une sorte de mini tuto quand même. Ah voilà. Restez appuyé sur le bouton gauche de la souris pour déplacer la caméra. Zoomer avec le bouton du milieu. Ok. Tous les objets sombres sont interactifs. Les décors et les objets clairs ne le sont pas. Sabotez la voiture en cliquant une fois dessus pour la sectionner. Puis faites glisser l'icône de sabotage. Ok. Restez ensuite appuyé sur le bouton d'activation pour lancer la voiture avec plus ou moins de force. C'est qui? C'est le bad guy ça? Bon, je pense que je suis pas trop mal là. Non? Bon, pour l'instant c'est assez simple. Ça, on peut voir en plusieurs fois, ok. Ah, là, peut-être plus. Manquer un peu de punch. Alors, tuer le bad guy, 200, objectif secondaire. J'ai pas trop compris ce que c'était, tuer en un jour, ça. J'ai même une queue. Attraper la dent, trouver le passeport, étoile d'or. Sans rapport du nid. On va essayer un truc. Parce qu'il est gentil, mais il nous dit. Ah, c'est peut-être là, remarque. D'accord.
What the fuck? La voiture a explosé à 10 mètres de lui, ça l'a fait... Hein? What? La voiture a explosé... Hein? Ok. Donc là j'ai le maximum de points apparemment. Ah non. Enfin il manque de sang. Ouais bon, bref. C'était pas mal. Un mission de non Jacob, lieu suisse. Bon, tu es bon gars, c'est de base. Il faut savoir tout lâcher pour tuer en toute sérénité. D'accord. Enfin, je pense que t'as un coup de boule. PG d'un grand groupe pharmaceutique et a décidé de tester de nouvelles molécules directement sur des populations africaines. Des millions de dollars ont ainsi été économisés et quelques centaines d'enfants ont trouvé le repos éternel. Lors de ceci, ça va être bon, ouais, toujours, mais enfin, j'ai vu quelques morts, enfin, quelques accusations bidons pour tuer un mec. Alors, on est quand même dans le dramatique, hein. Alors, cliquez une première fois sur le boulet de démolition pour le sectionner, ok. Cliquez une seconde fois et restez appuyé pour le faire glisser et positionner. Rachetez le bouton de la souris pour le faire tomber. Ah, c'est à moi ça. Bah là on s'est passé la gueule. Ah, pété en deux quoi. Il est éclaté. C'est quoi ce truc tout dégueulasse? On dirait l'écolier qui faisait là, avec un CST. Les colliers qui faisaient avec un élastique intérieur et des tubes justement comme ça. Alors, qu'ai-je gagné? Non, tu as le jour oui, tu vas dans oui, tu as le passeport non, toi dedans, je ne sais pas. On va se trouver un peu sur mort en fer, parce que là on s'ennuie un peu. Hein. Non, Bernard, lieu de New York. Quelle colère ce Batgate, il ne veut même pas aider cette famille en plein déménagement. Ok. Cet ancien bouquet de Wall Street a mis au point un système pyramidal grâce auquel il a pu extorquer 50 millions de dollars. Il proposait à ses victimes d'investir dans des bons au trésor jamaïcain garantis par la banque centrale grecque. Et de les leur racheter un mois après au double de leur prix. La chute de système a provoqué les fuites de nombreux investisseurs. En même temps, ouais. C'est un peu con pour croire ce genre de choses. A chaque fois que le bouton gauche de la souris. A chaque fois que vous cliquez sur un objet pour le sectionner, puis cliquez sur l'icône déplacement en haut à droite pour faire apparaître les endroits où vous pouvez se positionner l'objet. Et enfin, cliquez sur un des petits triangles cibles pour y déplacer l'objet. Raccourci, une fois un objet sélectionné, vous pouvez directement faire un déplacement en faisant un clic droit sur la case où t'as déplacé l'objet. Quoi? Association. Certains objets peuvent être associés avec d'autres. Il suffit de déplacer le premier objet sur le second sur le triangle vert. Wow, je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou quoi qu'est-ce, mais moi il n'a pas très bien à comprendre ce que vous voulez leur dire. D'accord. Là-dedans. Passeport. Yeah. Donc le truc est quand même tombé à... Ok. Pas non plus à 3 mètres. Bon. Voilà quoi. C'est quoi le jeu secondaire? Oh merde. Il y va. Ok, salut. Pourquoi je fais ça? Là c'est bon. Hop.
dead. Avec le petit dead sur le truc. J'ai tué Bernard. J'ai kill le bad guy. Alors, nom Kim.com. Lieu Pyongyang. D'accord, c'est toi. Est-ce que offre une mort terrifiante pour Halloween? Ça célèbre général de l'armée nord-coréenne. Atteint de léger trop de paranoïa, fait exécuter ses parents, d'accord, ses enfants, ok, ses ongles. Il ne se trouve parfois pas assez autoritaire et patriotique, et avait envisagé de se tuer lui-même. Lui un petit peu de main. Alors, objectif secondaire. Chaque niveau possède un objectif secondaire différent. Votre premier travail sera d'abord de deviner quel est ce objectif. Merci. Tuez-les en un jour. C'est souvent plus facile de prendre son temps pour saboter et déplacer l'objet et d'attendre le jour suivant pour tuer le bad guy. Mais si vous arrivez à tout faire en un seul jour, vous nous épatriez. Mais comment on peut faire plusieurs jours? Genre, le mec qui a pas tourné pendant 3 jours autour du bâtiment, quoi. Essayez de ramener une dent du bad guy comme preuve de assassinat. Le faux passeport du bad guy caché quelque part dans le niveau. Trouvez-le, nous l'enlèverons anonymement à la police. Afin que, qu'à leur tour, ils mènent l'enquête et qu'ils fassent le lien avec la vraie identité du bad guy. Débloque les 5 étoiles en une fois. Ok. Alors, c'est quoi ça? Merde! Attends, je vais peut-être essayer un truc. Hein. On va essayer de foutre le briquet là devant. Là, pour qu'il ait peur. Comme ça, il flippe. Non, il préfère marcher tranquillement et se barrer. Ah tiens. Ok. J'ai envie là-bas. Pas une bonne idée. Donc ça c'est inflammable je pense. Donc il faut... Ça fait un masse de bruit ce machin. D'accord. Salut. Ok! Nul! Nul à chier! On va recommencer, hein? Comment on fait? Ah, voilà. Bon, j'ai compris. Ça a mis du temps, mais j'ai compris. Mettre là, ça y est, tranquille. Ah, pas assez rapide. Et il faudrait que je limite, je... Ouais, je sais plus. Attends. Ils disent qu'il faut leur faire peur, donc j'imagine quand même qu'il faut quand même faire un truc assez important. Voilà.
Alors. Hop. Allez, la dent. Merci. Bon. Moi, je voulais faire courir et souvent qu'il se le mange. Plus pas bon, quand même. Hein. J'ai été timing parfait, je pense. Hein. Et il repasse devant le truc et. Non. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, on est toujours pas en logistique secondaire, je sais même ce que c'est à chaque fois. C'est assez compliqué. Alors, Oscar à San Francisco. Il paraît que l'eau n'est pas un bon conducteur, on essaie, si tu veux. Cyber sportif de haut niveau, Oscar est accusé du meurtre de sa femme. Ok, meurtre qu'il a toujours nié, expliquant sans vouloir aller boire en plein milieu de la nuit. Sa femme est glissée sur une feuille de salade devant le frigo, et en basculant, son corps a heurté 8 fois le couteau de cuisine qui avait été malencontreusement posé debout sur le rebord de l'évier. Bien sûr. Tout à fait. Pose, bah, son objet, rotation d'objet, on se rapide, zoom caméra, scroll caméra, ouais, ça je crois que... On est plutôt pas mal. Alors, attends. Oh, dommage. Merde. De l'autre côté. Oh, le naze. Là, je trouvais le... Bon! Toi, tais-toi. Oh, de l'eau. C'est trop dommage. Allez donc. Merci. Pourquoi attends jusqu'à là-bas? Et là, bim, c'est la catastrophe. Qui est dommage, il filme pas dans l'eau d'ailleurs. Ou à peine. Bon, y'a pas eu de sang. Désolé. À moins qu'il se prenne sur la gueule. Je sais pas comment. Et d'ailleurs, sang répandu, ben zéro, pas tellement. Alors, Mohamed. Ah, Momo. En un mot, Mo. En deux mots, Momo. Pakistan, on pourrait peut-être faire croire que c'est un ovni qui s'est craché sur la terre. Oui. Sheikh bin Mohamed a juré la fin de la civilisation occidentale. Ce fou de dieu aurait formé plus de 200 révolutionnaires prêts à se faire exposer parmi les populations civiles afin de montrer leur détermination. SBM, comme son petit nom dans le milieu, tu vois, aurait été repéré dans une petite ville tranquille du Pakistan dans une villa équipée du Netflix. Quoi? Du Netflix? Ok, d'accord. Une grosse Mercedes et du dernier modèle d'iPad. Ah ouais, c'est pas bien, l'Occident, c'est mal. Mais bon. Merci. Oh, ça, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, je sais pas où, mais... Mais il a peut-être fallu que je magne. Le fion, notamment. Voilà. Nul. Nul, nul, nul. Salut. Bim. Je perds toutes les voitures, j'en fous. Pourquoi il parle de d'OVNI, tu sais. Ouais. D'accord, donc à peu près là. Bon. C'est pas de la triche. C'est une expérience. Rien à voir. Ah, et où? Merci. Alors. Dans le bon moment. Et maintenant. Pomme sur la gueule. Allez, la dent. Hop, hop, hop. Et dans la dent, la dent, la dent. Elle est où? La dent. La dent, elle est où? Fuck. J'ai perdu la dent. En place sur la gueule. T'es où? Bah, j'ai pas vu. Bon, j'ai ramassé sans faire exprès, j'ai pas fait gaffe. Oh, ce timing, quoi. Perfect.
Ouais, mais non, là je suis pas d'accord parce qu'ils disent que ça nous dit que ça va aller au ciel et j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais non, ça ne marche pas. Alors, je comprends pas trop comment ils veulent que je fasse. T'as pas la danse, j'ai pas fait, ok, d'accord. Mais ouais, le délire c'est que là je vois pas comment l'objectif secondaire, je vois pas comment tu veux faire autrement. Hein. Bref, Andrei, Moscou. Non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas oser. Mais pourquoi pas? Milliardaire et mafieux russe qui s'est accaparé une partie de la production de gaz de Sibérie de manière illégale. Il possède aujourd'hui trois grands clubs de foot anglais, une station de ski française et un parc Mouseland où il a marié sa fille à la star du showbiz Tough Mami lors du mariage le plus cher du monde. Cadre plutôt posé. Donc. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Faire tomber la frappe sur la gueule? C'est quoi ça? Oh non, un chien mort sur le bord de la route. Ça veut dire qu'on veut me tuer. What the fuck? Alors, par où va-t-il passer? Nul! D'accord. Des hauts quand même. Hop, le truc est apparu devant moi. Qu'est-ce que c'est? Là, de toute il peut passer parce qu'il y a des. Ah, tu m'achètes toi. Hop, passeport. Là, il peut pas passer de toute façon parce qu'il y a des trucs, donc il veut pas y aller. C'est quoi ça? De toute façon, on peut tomber sur un truc sur la gueule avec le panneau, les cordes, le piano et la caisse, et on peut lui faire tomber l'arbre sur la figure. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit clébard? Pas le déplacer, je veux dire. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Sérieux? Ah, j'avoue quand même, c'est fort. Il fallait quand même avoir l'idée de balancer le chien sur la gueule du mec, quoi. Comme un peu tordu. Non, trop loin. T'inquiète, y'a rien. Alors, on va réessayer. Par contre, cette fois, on va se mettre plutôt là-bas. Posé. Hoppa. On recommence. On va y arriver. Et hop, 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 tu vas où là? C'est quand même une sacrée mort bizarre, hein, je vais pas dire, mais bon. Le mec marche dans la rue, il se reçoit un chien sur la gueule. Bon. Et non. Bon, là, je crois qu'il va falloir faire quelque chose au niveau du zoom ou quoi, parce que je vois pas comment je peux faire plus raté que ça. Merde, ça aurait pris. S'il prenait ça en vert, c'est con. Voilà, hop. Là, ah oui, putain, il est au sol, j'ai pas vu le marque au sol. Allez! Ta putain! Elle meurt, ça coûte une merde. Ah! Ok! Bon. Alors, j'imagine que ça va pas être la seule solution. Peut-être pas balancer aussi le piano ou la caisse. Voilà. Mais le chien, c'est quand même plus rigolo. Hein. Vous avouerez. Allez! Ta putain, trop loin cette fois. Ah, j'étais bien là, mais c'est trop loin.
carrément trop loin quoi. On s'arrête de la marque au sol. Voilà, là je suis bien là. Là je suis bien. Je suis dessus. Oui, c'est joli. Hop, et le passeport. C'est beau ça, c'est beau. Boum. Un chien mort sur la gueule. Quand même. Joli. Voleux. S'il vous plaît. Le tir était parfait. Et j'ai même pas recommencé, hein. Jamais. Et là j'ai tout. Donc là j'ai 100. Alors je sais pas si 100 points c'est le maximum. Dans la fois, il faudrait jouer un peu plus longtemps pour en connaître. Mais je pense qu'on était déjà pas mal. Alors, Mirel de Los Angeles. Le vert, le rouge, ah, l'art contemporain dans toute sa splendeur. Ok, c'est en noir et blanc, je fais comment ça, c'est quoi le vert? Ce riche gourou d'une secte qui compte de nombreux acteurs américains parmi ses membres et père de 66 enfants, pas mal. Propriétaire d'un immense ranch, c'est bien. Qui a subi un terrible incendie et en tué 130 personnes, bizarrement. L'enquête a montré que les hommes s'étaient tous suicidés mutuellement et que les femmes avaient été étrangement enchaînées dans une pièce, toutes nues, les yeux bandés. Bah, à la fois, pourquoi pas, hein. Chacun son truc. J'ai envie de dire. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Un piège? Pas un piège. Ouf. Ok. Donc je n'ai pas compris. Il y a rien d'autre avec quoi interagir à part la voiture. Non, je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? De... Mm-hmm. Oh, t'as un bruit d'hélicoptère aussi. I don't understand. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Il faut de tirer par là. Ok, d'accord, mais ça fait quoi? Après je coupe, enfin je chabote. Sauvetage réussi, ok, mais sauvetage de quoi? D'accord. Ah voilà, ok. Il faut déplacer le piège pour après lui foutre dans les pieds, putain là, je vois un truc relou quoi. Par contre, ouais, ok, je veux bien, mais une fois que j'ai mis sur le truc, ça sert à quoi? Là, je marchais dessus, puis c'est mort. Ok. Je pense qu'on va essayer comme ça à l'arrache, puis on recommencera plus tard. Mais... Qu'est-ce que c'est de merde? Plus où ça dedans. Il a marché dessus, le truc est parti. C'est quoi? C'est juste une manette ça? Quoi? J'ai rien pigé quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Une sorte de piège mais attaché à rien du tout. Quoi. En plus, du coup, je vais avoir du tout ce que c'est l'objectif secondaire du coup. Ah merde, j'ai recommencé, quel con. Non, c'est pas grave, non, j'ai compris le truc. Voilà. D'accord, le mec s'inquiète, il dit tiens, c'est bizarre. Il y a un truc chelou à mes pieds. Si je marchais dessus. Oh non, il se passe rien. Ah bah si. Pourquoi il y a ça? Ah, j'ai plus de récupérer le passeport. Pas grave.
mec meurt parce qu'il y a un truc qui s'accroche à son pied. Quoi. Des morts bizarres quand même. Hein. Alors non, Ratko, Belgrade, tu peux envoyer un échantillon de sang, du sang du bad guy à la police. Bah, je vais essayer une fois. Ce général serbe connu, reconnu coupable de génocide se cache désormais parmi la population. Il paie ses impôts, il possède une boîte aux lettres à son nom. Oh mon dieu. Cependant, il n'a malheureusement jamais pu être arrêté. Ses heures de sortie n'ont jamais coïncidé avec les heures de planque de la police. Pour brouiller les pistes, il porterait une moustache afin d'être confondu avec Tom Selleck dans la rue. Ok. Bah non, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un pic. Ah, d'accord. Guisez qui doit empaler le monsieur. Facebook, tiens, c'est mignon ça. Dis donc. Hot Mag, dis donc. Des gros cochons. Qui c'est qui va faire un plaisir? Allez, mon grand, allez, hop, et mais non. Faut que je prenne un billet en fait. Faut le choper comme ça. Parce que si je suis au roi, il a pas le temps d'arriver. D'accord, donc le mec est déjà mort. Parfait. Nickel. Et donc? D'accord, il est déjà mort. Fantastique. Je l'ai eu quand même. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. On va se le faire en un jour maintenant qu'on a compris. J'ai pas trouvé non plus le. Merde. Et oh. Là-dedans. Chopé. Non, d'accord. Ah, il est là. Je l'ai pas vu. Et dommage, je l'ai pas eu. Dommage. Tant pis, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai commencé ici, on a compris le truc. Tu vois, après, une fois qu'on a trouvé le truc, bon, bah, c'est déjà un peu moins drôle, quoi. Alors, Pablo, Colombie sera le 1 sur 10. Je pense qu'on s'arrêtera là, parce qu'après, je pense qu'on a recommencé à faire un peu le tour. Ce choc manque vraiment des effets spéciaux, tu trouves pas? Il dirige le plus grand cartel de drogue du pays. Son armée arrivée. Privé, putain. Bon, je vais me coucher après. Hein. Sur l'armée privée compte 50 000 hommes, son trafic pèse 20% du PIB du pays. Pablo a des méthodes expéditives quand il veut punir quelqu'un. Il envoie une main à la famille de la victime, un pied au gouvernement colombien, l'autre pied à la CIA américaine et une oreille à Mike Tyson. Ils sont cons. Pour que ça fera pas rire, qui retourne se cultiver. Ça on va le dégager. Pour pas que ça ait un grand intérêt. Ah, quoi que non, si. Tu passes par là, mec. Non, mais non, reviens. Faire quoi avec lui? Alors, comment est-ce que je vais pouvoir le tuer? Temps de cascade. Youhou! Je fais n'importe quoi, hein, clairement, parce que là pour ça je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Yeah! Essaye ça, tiens. Eh merde, allez, d'accord. Je vais vous faire tomber le truc, ça a rien fait du tout, c'est juste casser la gueule quoi. Pourquoi ils sont noirs? Je peux pas les aider.
Non, il a accroché quelque part. En même temps, tu vois un mec un petit coincé dans une truc, tu peux t'échapper, ouais, je pense qu'il y a moyen d'avoir peur. Et hop. Oh oui, 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 oui. Putain, fuck. T'inquiète, c'est rien, c'est une voiture qui est tombée. Tu fais des affaires de malade, tu sais. Ouais, elle a calé, fantastique. Bim. Ça vaut la vie. Est-ce qu'il fera le tour, moi? Apparemment, oui. Bref, qu'est-ce qu'on peut... Attends, j'essaie d'y arriver avec le machin, sinon on va s'arrêter là, puis on a déjà fait pas mal. Ok. Il faut des voitures exploser, des trucs qui explosent partout, tu sais. Et non, ça le perturbe pas, lui, il continue son petit bonhomme de chemin, quoi. Tranquille. Merde, je peux passer par là. Bon, tant pis. Avec son là, je crois que je peux poser ce machin. D'accord, il fait demi-tour, lui, carrément, tu sais. Pas de pression, je passe pas par là, tant pis, genre chez moi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, bon? Oui, mais là non plus, tu vas passer. J'ai fait le tour par là pour sortir absolument par ici. Ça a un peu la marche là parce que... Voilà. Il y a un truc bizarre en haut. Pourquoi des bêches ici aujourd'hui? Tant pis, je passe. Bon, c'est pas si spectaculaire qu'on aurait pu le vouloir. Même si on a fait plein de trucs et tout, mais c'était pas pendant. Non, pas good. Mais bon, on l'a tué, c'est le principal. Ah bah voilà, en plus c'est la fin de la démo, donc parfait. Parfait, enfin non, c'est tout, juste un... Donc c'est ça. Non? Ou pas? Ah non, c'est le numéro 2 ça. C'est ça après. C'est une sorte de truc. Bah écoutez, si j'ai verrai un peu si on peut le faire rapidement ou quoi, ok, c'est du coup tout ce qu'on fera ensemble. Parce que vous avez après le style du jeu, je pourrais pas vous dire combien il y a de missions, combien il y a de niveaux, de machin et tout, je pourrais pas vous dire, je sais pas du tout. Mais en tout cas, si jamais ça vous plaît, vous pouvez toujours télécharger la démo sur Steam et essayer par vous-même. Sinon, le jeu, je crois qu'il est à 15€, enfin, un peu cher quand même, je trouve, pour le peu de possibilités du jeu. Mais à voir après, hein, pour un peu, si une fois que le jeu de Serenity War est bloqué, c'est qu'il y aura du contenu régulièrement. On a vu que le jeu datait de 2014, donc il est sorti cette année, donc forcément le jeu est un peu jeune. Mais pour un peu, ils vont peut-être proposer plus de contenu, donc pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à l'essayer si vous avez envie. Faites-vous plaisir avec. Moi je vous dis, apportez-vous bien, à la prochaine, faites pas trop veiller à votre corps, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!